Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 4 janvier 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 4 janvier. Vous le voyez, la séance du jour sera dominée par la publication de l'indice PMI des services en zone euro et en Europe, hein, plus généralement, puisque nous prendrons connaissance de l'indice PMI des services en Grande-Bretagne. Par ailleurs, et aux États-Unis évidemment, par ailleurs, nous prendrons connaissance aussi de l'indice, du rapport plutôt ADP, hein, sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Donc bien évidemment, statistique très attendue puisqu'elle constituera une ébauche de ce que sera publié vendredi, hein, de ce que le rapport des NFP fera état ce vendredi évidemment. Donc l'indicateur qui sera principalement surveillé par les opérateurs, ce sera bien évidemment l'évolution des salaires aux États-Unis. Par ailleurs, nous prendrons connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole, je vais y arriver, pour la semaine terminée au 29 décembre. Et enfin, la séance s'achèvera aujourd'hui avec la publication à 19h30, avec un discours de James Bullard, hein, donc membre du FOMC. Nous l'avons vu hier soir, la Fed prévoit effectivement de continuer de relever ses taux, de conserver ce biais, on va dire, relativement agressif en termes de politique monétaire, évidemment. Donc, ça confirme, hein, ça confirme la tendance que j'évoquais hier, à savoir que les opérateurs price désormais un prochain relèvement des taux au mois de mars. Donc, la réunion se déroulera le 21 mars prochain. Et a priori, la Fed devrait prochainement effectivement relever ses taux. Néanmoins, cette dernière reste inquiète de la faiblesse de l'inflation. Donc c'est ce dont a fait état effectivement les minutes du FOMC. Mais tenez-vous bien, la récente réforme fiscale américaine pourrait stimuler les dépenses de consommation, selon le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Voilà. Donc nous verrons bien, tout simplement. Nous verrons bien. Vous connaissez notre biais chez XTB. Hein. On pense qu'effectivement, la faiblesse de l'inflation finira par pénaliser les indices, le dollar, hein, d'une manière plus générale. Et nous verrons bien. Voilà. Rien d'autre à ajouter pour le moment. Nous commençons tout de suite avec la paire euro-dollar. L'actif évolue en tendance haussière, donc on regagne du terrain. 1,2029 pour le moment, donc on progresse en direction des 1,2040. C'est au moins mon objectif pour aujourd'hui. Je table plutôt sur un retour à 1,2050 pour ma part. Je pense qu'on va revoir ce niveau. Mais pour l'heure, je me contenterai des 1,2040. Voilà. Puisqu'on a encore très très peu d'activité sur cet actif. Pour moi, je pense qu'on peut faire les 1,2040, voire même 1,2050 dans la journée. Et même en matinée, si on a de bonnes statistiques au niveau des PMI des services en zone euro. Nous continuons avec le DAX 30. Le DAX 30 qui évolue bien évidemment en tendance haussière. Au-dessus des 13 000 points, désormais, c'est fait. Attention, on a ouvert ce matin en gap haussier. Nous évoluons autour de 13 100 points. Donc, les cours s'envolent. Alors, attendez une petite seconde. J'ai un petit décalage dans mes... Voilà. Dans mes cotations. Donc effectivement, là, on est en train de s'affranchir de tous les niveaux, de toutes les résistances. Ça accélère à la hausse. Attention quand même à la correction parce que, voilà, une fois de plus, on a ouvert en gap haussier. Je n'aime pas beaucoup les gaps haussiers sur le DAX 30 hein, lorsqu'ils sont effectivement trop agressifs. Enfin, quoique celui-là est relativement petit. Attention à un retour sur le seuil de 13 000 points aujourd'hui. Voilà. Le gold qui, bien évidemment, perd du terrain après le rapport, après le compte-rendu du FOMC, hein, de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc, on perd du terrain sur le gold, on passe de 1315, 1320 à 1310. Ça reste, bien évidemment, très correct. Hein. J'ai évidemment un biais acheteur sur l'actif et je pense qu'on va retrouver le niveau des 1315 $ l'once.
Le WTI, donc, le WTI, bah, on bat de nouveaux records, voilà, donc 62,17 dollars le baril. On s'est affranchi de toutes les, une fois de plus, toutes les résistances, donc visiblement, l'euphorie, c'est l'euphorie véritablement sur le marché pétrolier. D'autant qu'hier, hein, vous avez sans doute dû le voir, mais les stocks auraient diminué effectivement en première estimation de 5 millions de barils selon l'American Petroleum Institute. Statistique bien évidemment à confirmer tout à l'heure avec le département de l'énergie américain. Sur la paire USD/JPY, pas de surprise. Conformément à ce que je disais hier, on a bien rallié le niveau des 112,6 yens pour 1 dollar. Je pense que ça va continuer. On va sans doute revoir le niveau des 112,70 à même 112,75. Je ne pense pas qu'on ira bien au-delà de ces niveaux puisque on risque effectivement d'être rattrapé par la hausse du gold. Voilà. Donc je pense qu'on peut continuer de progresser sur la paire USD/JPY, mais attention quand même. Attention quand même à l'évolution surtout des taux qui pourraient évidemment pénaliser le dollar sur cette fin de semaine. Mais bon, pour l'heure, il faut le dire, les opérateurs sont focalisés sur les NFP de demain et surtout sur la statistique relative à l'inflation salariale, ou plutôt je devrais dire l'évolution des salaires. La volatilité. Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé. L'indice S&P 500 a battu un nouveau record. Enfin, les indices américains ont battu de nouveaux records. Forcément, on a une volatilité qui continue de s'écraser et ça va continuer, de mon point de vue. Il y a un vrai appétit pour le risque qui se développe au moment où je vous parle aux États-Unis. Donc 10,6% de vol, je pense qu'on va continuer de perdre du terrain. On va sans doute revoir le niveau des 10,3 à 10,2% de volatilité sur l'indice VIX. Nous terminons avec l'indice S&P 500. Je le disais à l'instant, on a battu de nouveaux records. Donc là, 2713 points. Donc, bon, pas grand-chose à dire. Effectivement, on a bien salué la publication de l'indice ISM manufacturier. Maintenant, c'est focus sur le rapport ADP et surtout le rapport NFP. Et effectivement, si on a un bon rapport avec un probable retour de l'inflation, en tout cas si le rapport des NFP fait état d'un retour de l'inflation, plutôt d'une inflation salariale qui est un indicateur avancé, plutôt je devrais dire de l'inflation, eh bien là, je pense qu'on est susceptible de retrouver un indice S&P 500 sur le niveau des 2720. Dans le cas contraire, eh ben, on pourrait très facilement retrouver, plutôt je devrais dire, le niveau des 2697 points sur l'indice S&P 500. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading. Ne manquez pas les publications du jour hein, sur le site XTB, bien sûr, comme vous le savez. Enfin, vous avez désormais l'habitude de cela. Et vous retrouverez aussi en parallèle, normalement, ces publications dans l'onglet News de votre X-Station, enfin de votre plateforme X-Station 5. Merci à vous et à tout à l'heure.